كان شوفوا ليزانديكاسيون اي لي كونتر انديكاسيون وكان شوفوا نمرات التليفون ديال اللي صانعو ولادريس والختم ديال الوزاره بمعنى المصدر ديال هذا المنتوج وكذلك واش هو مراقب من طرف المصالح المختصه اكيد ان لونسا هي اللي كتكلف بالمراقبه دكتوره سميره المدغري وحنا في ختام descendu sur nous. Une entrée menant à ce tombeau. C'est un signe des dieux. Une référence à un cadran solaire? J'aimerais le savoir. Ce nombre a l'air d'être important. Être le cadran solaire représenté dans le tombeau.
l'air de marcher. Éclairant les dieux. Paré. Qu'ai-je fait? Je dois fouiller le tombeau. Salut, gardiens qui veillez aux portes. Vous, qui avalez les âmes et dévorez les cadavres des défunts. J'ai fait un long voyage. Thank you.
Wow. Bonjour, mon ami. C'est toujours un plaisir. Tu
dois être très courageux ou très stupide pour mettre les pieds ici. Nefertari, c'est toi. Accepte mes humbles bénédictions. Chien, Neketiadet. C'était la femme de Rujek. Tu t'attendais à un chaleureux accueil? Allez, par ici, Bayek. Et apporte donc tes 1000 bénédictions. Tu en auras besoin. Je suis triste pour elle. Mais c'était nécessaire. Ça a l'air d'aller. Mieux que lorsque je t'ai trouvé. À ce propos, tes talents de tueur ont progressé? Rujek n'était que le premier. Oui, ta traque. Je l'ai rond. Où est-ce que tu m'emmènes? Implorer le pardon d'Anubis. Le pardon? Je ne vois pas de quoi tu veux parler. Évidemment, comment le pourrais-tu? Tu es parti dès ton réveil. Tu sais que c'est ici qu'on extrait tout le natron d'Égypte. On l'envoie en grande partie à Memphis pour recouvrir le corps des morts. Regarde-moi. Non, tu es malade. Mais le natron a d'autres usages. Il permet notamment de nettoyer les plaies. Ou encore les taches de sang sur mes mains, par exemple. Ça a l'air de guérir, Neb. Je vais dire à l'un de mes aides d'apporter quelque chose pour la douleur. Et mon frère? Il se remet. Il a besoin de repos. Tu n'as pas besoin de me le rappeler. Pourquoi vous avez autant de malades? Parce que le dieu Anubis est mécontent. Depuis ton départ, les torches de son sanctuaire se sont éteintes. Nous ne sommes plus protégés. De qui? De la colère d'Anubis? Tu te moques, mais des gens ont été gravement blessés en tentant de les rallumer. Certains ont même disparu. Ce sont les pierres. Est désormais clair qu'Anubis exige ton repentir et le tien seul. Inakaha. Je vais rallumer les torches et mettre fin à cette malédiction, à ce présage, peu importe. Tu ferais bien de t'y atteler, si tu désires apaiser Anubis et obtenir mon pardon. Sophia, apporte de l'encens aux hommes près du bassin, veux-tu? Inutile de te rappeler d'être prudent. Il existe 3 sanctuaires. Un au sud, un au-dessus d'un puits naturel, et un dernier dans la pyramide penchée. Tu sais comment rejoindre celui-là. Une des torches d'Anubis devrait être ici. Cette torche est tombée. Où est le dessus? Les Fertari n'exagéraient pas. Celui-là est mort en tant que...
tête de la torche. Elle a dû tomber de la corniche quand la torche a été renversée. Amulettes. Ça devrait faire l'affaire. Je n'ai plus qu'à l'allumer. Sur ces étoffes. Quelqu'un les a accrochées. Gardien de la douate, je rends honneur à ton nom. Ça n'a pas été simple. Y a-t-il d'autres forces à l'œuvre ici ? Gardien de la douane, je rends honneur à toi. Yo.
gardien de la douane. Je rends honneur à ton nom. C'était la dernière torche. Je dois retourner voir Nefertari. Quelle nouvelle apportes-tu? Les torches brûlent et leur flamme est intense. Alors je prie Anubis de nous accorder son pardon. Il y avait des amulettes à côté des torches. Est-ce que tu sais pourquoi? À côté des torches, tu dis? C'est sans doute pour éloigner le présage. Je garderai les yeux bien ouverts. Mais en attendant, des rebelles des environs ont besoin de soins. Je ne peux malheureusement pas y aller, on a besoin de moi ici. Sophia s'est portée volontaire pour y aller à ma place, mais seulement si tu l'escortes. Je le ferai. Bayek, j'espère que ta traque prendra bientôt fin. Avant qu'elle ne fasse de toi un homme perdu à jamais. C'est à propos des rebelles que tu es ici. On ne se déplace jamais qu'à la nuit tombée. Ne reviens que quand il fera nuit, près de l'entrée nord. C'est à propos des rebelles que tu es ici. Retrouve-moi sans faute à la nuit tombée, près de l'entrée nord. Ravi de te voir, Namrout. À ce que je vois, Nefertari a envoyé des renforts. Il s'appelle Bayek. C'est un grand ami de Nefertari. Je lui ai demandé de venir et il a gracieusement accepté. Comme nous tous, je crois. Il paraît que tu as des ennuis. Je dois un service à Nefertari. Bon, s'il en est ainsi, suis-moi et ne t'éloigne pas. Un long voyage nous attend. Le chemin de la mine était libre, mais cela ne veut pas dire que ce sera le cas au retour. Tiens-toi prêt à tout. Tu sembles mal à l'aise, Namrout. Pourquoi cette hésitation? Je n'aime pas m'écarter du plan.
Cette région grouille de terribles dangers. Brigands, soldats, bêtes sauvages. C'est pour ça que nous voyageons de nuit. Ça en évite certains. Où est le campement ? Dans un fort abandonné, à l'ouest. C'est notre lieu de repli. De repli face à quoi ? Une attaque contre un campement voisin. Il y a eu plus de soldats qu'on ne l'imaginait. Beaucoup d'hommes y ont laissé la vie. Combien de blessés ? Pas mal. C'est pourquoi il est primordial d'être proche de la mine. Les guérisseurs sont des merveilles. Nous avons de la chance que Nefertari l'autorise. Elle a le cœur pur. Elle risque sa vie. La mine appartient au régime, après tout. Nous devrions être hors de danger après avoir franchi ce pont. Une fois à l'intérieur, j'aurai besoin de ton aide pour prendre soin des blessés pendant que Soufia préparera le natron. Pourvu que nous n'ayons pas perdu d'autres hommes. Je me mets au travail. Bayek, va avec Namrout. Il t'indiquera ce que tu as à faire. Ces hommes, amène-les à l'arrière, près des fours. J'ai si Par ici, froid. Nous allons les aligner. Ce sera plus facile pour Soufia. Vous êtes moins nombreux que je ne l'imaginais. Mais au moins, nous sommes unis. Nous combattons les uns pour les autres. Et moi, je suis l'un d'eux. Épargné par les dieux, cette fois. Attention! Leurs blessures sont graves. Mais ils survivront si Soufia est aussi douée que Nefertari. Toi et Nefertari êtes de vieux amis. On peut dire ça. Elle m'a sauvé la vie après que j'ai tué Rujek. C'est toi qui as tué Rujek, hein? J'avoue que j'ai du mal à le croire. Par les dieux! Le bras zéro! Le feu va alerter les troupes! Ils nous ont trouvés! Des rebelles! Vite! Il faut les tuer tous! Allez! Archers! Préparez vos flèches! Gardez les blessés pour la fin! Pas la peine de vous battre! Nous sommes plus nombreux! Déposez les armes! Et on ne prolongera pas vos souffrances! Plutôt enfoncer ma lame dans sa gorge! Elle a allumé le bras zéro. Pourquoi a-t-elle attiré les soldats ? Bien. Parle ! Les présages ! C'était toi ! Pourquoi ? Rujek, je l'aimais ! Il m'avait promis une vie meilleure ! Tu me l'as enlevé ! Je comprends. Tu étais la maîtresse de Rujek. Mais ton chien d'amour a tué mon fils! Je n'ai aucune peine pour toi! Tu vas mourir! Quel dommage! Une si jolie fille. La beauté n'a pas sa place dans cette guerre. La mort nous fait faire des choses qu'on regrette. Elle nous a tous les deux trompés. Et tes hommes? Les cadavres s'amoncellent. Nous allons soigner les survivants, mais ce sera difficile sans guérisseuse. Thank you.